sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Alors très rapidement, parce que bon, en ce moment c'est des périodes de dingue, ce Mercure qui est rétrograde, il va à une vitesse folle pour moi, pour mon agenda. Et donc un biais rapide et j'espère efficace pour vous parler de cette pleine lune. Je sais que vous avez lu le billet de Denise, il y a le mode d'emploi dessus, n'hésitez pas. Denise est quand même une super astrologue et une très très belle personne, pleine d'amour et de lumière. Donc Mercure est rétrograde en ce moment et il caractérise aussi cette pleine lune où tout va vite, trop vite, et où il ne faut surtout pas prendre de décision. Elle le dit dans son billet, Denise, et je ne peux que vous le confirmer autour de moi, dans tout ce que je vis, dans tout ce que j'entends. Ne prenez pas de décision, parce que ces décisions sont motivées par la peur, par le passé, par quelque chose que vous n'avez pas encore réglé. Alors que tout vous pousse aujourd'hui à dépasser ces vieilles peurs qui sont obsolètes et à oser l'amour, et dans une dimension que vous ne soupçonnez même pas. N'allez pas plus vite que la musique, ne vous faites pas de mal, avancez à votre rythme, faites ce qui est bon pour vous, faites ce qui va vous faire avancer dans un état peut-être même de grâce. Si c'est un compromis et qu'il est désagréable, mais c'est parce qu'en ce moment vous ne savez pas faire mieux que ce compromis. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions. Les décisions se prendront à partir de début juillet et surtout mi-juillet. Donc en ce moment, on est à l'écoute de soi, de ses émotions, de ce qu'elles viennent nous dire. Elles nous renseignent de là où on en est. Et on n'est plus dans ce temps, dans cette période où pour avancer, il fallait prendre des décisions radicales, brutales. Dans la maltraitance de soi. Quand on a un moteur maltraitant, c'est ce qu'on fait. C'est terminé ça. Aujourd'hui, on est dans des décisions d'amour. Et donc, quand on s'aime, eh bien, on se respecte et on ne se fait pas violence. Et si le compromis qu'on accepte n'est pas celui que l'on souhaite, parce qu'avec notre conscience élaborée, on se dit que ça ressemble à n'importe quoi ce qu'on est en train de faire, eh bien, ok, mais il n'y a pas que votre conscience élaborée, il y a aussi ce que votre cerveau émotionnel est capable de gérer avec ses peurs. Et donc, on fait tous du mieux qu'on peut. Voilà, c'est ça le message que je voulais vous faire passer. Ne prenez aucune décision sur le coup de la colère, de l'ego, de la peur. Acceptez que vous soyez dans une période où vous faites des gros compromis avec vous-même et donnez du temps à la vie pour qu'elle vous apporte les réponses. Les réponses ne doivent pas forcément venir de vous de façon brutale, par une décision abrupte. La vie fait souvent très très bien les choses. Alors, dès que vous êtes en stress, rappelez-vous que Mercure est rétrograde. Quand Mercure est rétrograde, c'est pas le moment de prendre des décisions. Remettez-vous-en à plus haut, à l'univers, et demandez-lui de prendre les choses en charge, de prendre le relais, parce que vous ne savez pas faire. Et vous savez quoi? Ça décante très vite, et le lendemain, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus dans le même état émotionnel que la veille. Et puis très vite, un jour ou deux jours après, il y a une réponse qui vient. Et les vraies réponses, les vrais mouvements, les vraies décisions, vous pourrez les prendre en juillet, parce que vous serez prêt. À ce moment-là, les énergies seront plus douces, et donc vous serez prêt ou prête. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une merveilleuse soirée de pleine lune. Alors de pleine lune ou lendemain de pleine lune. C'était très rigolo, on me dit « Comment tu vas ?» J'ai comme une veille de pleine lune. C'était une amie qui me disait ça et puis samedi, donc je tourne cette vidéo ce soir, le soir de la pleine lune. Je ne sais pas quand elle sera en ligne. Mais samedi, vous pourrez dire « Comment tu vas ?» Comme un lendemain de pleine lune. Voilà, on se comprend. Gros bisous d'amour et je vous dis à très vite sur Astroéthique. Ciao!